Donc, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les nouveaux habitants du Lardin Saint-Lazare, chers amis, merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons au Lardin Saint-Lazare. C'est pour nous l'occasion de nous présenter et pour vous de connaître un peu mieux notre commune et son équipe municipale. Donc, pour me présenter, je suis Francine Bourrat, je suis élue depuis le 15 mars 2020. Je suis gérante de société, je suis élue également conseillère départementale du Haut-Périgord Noir depuis 2015 et je suis également vice-présidente en charge de l'économie à la communauté de communes. Le conseil municipal est composé donc de 19 élus, 15 de la majorité et 4 de l'opposition. Mon équipe municipale comprend 4 adjoints, 2 conseillers délégués et 9 conseillers municipaux qui se présenteront donc tout à l'heure. Alors, quelques mots sur notre commune donc, du Lardin-Saint-Lazare. Comme son nom l'indique, elle est la fusion de 2 communes, de la commune du Lardin et de la commune de Saint-Lazare. Cette fusion fut officielle le 1er mai 1967. Notre commune compte aujourd'hui 1750 habitants et le prochain recensement sera l'année prochaine. Voilà, et on espère bien que ce nombre d'habitants sera en augmentation puisqu'il décroît régulièrement depuis un certain nombre d'années, comme dans beaucoup, malheureusement, de villages et de villes rurales. On l'appelle aussi donc la cité du papier, de par la papeterie qui est installée depuis 1907. En tant qu'usine d'extrait tanin tout d'abord, avant de devenir une papeterie Progile en 1920. C'est aujourd'hui une papeterie qui n'emploie plus que 205 salariés, apparaît avoir été le plus important employeur du département. Notre petite commune offre de nombreux services et commerces, tels que un groupe scolaire regroupant maternelle et primaire, un centre municipal de santé, une crèche municipale, une bibliothèque, un terrain multisport, un gymnase, un stade de rugby, un city stade, une pharmacie, de nombreux commerces de bouche, salons de coiffure, esthéticienne, etc. Vous pourrez parcourir tout cela au travers de la pochette qui vous sera remise à l'issue donc de la cérémonie. Depuis notre élection, nous avons réalisé de nombreux travaux et je vais vous en citer que quelques-uns. Donc, notamment la restauration donc, du toit du restaurant scolaire, l'achat et la réhabilitation d'un ancien restaurant qui s'appelait le Kilomètre 48, qui a ouvert ses portes le 7 mai dernier, qui s'appelle désormais la Verrerie. Nous avons procédé également à la reconstruction d'une partie de l'école primaire qui menaçait de s'effondrer et qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. Nous avons réparé et isolé la toiture de la salle des fêtes, dans laquelle il pleuvait abondamment, et nous allons réaliser la pose de panneaux photovoltaïques à venir en courant du mois d'octobre. Nous avons procédé à la sécurisation des abords du stade, par la création d'un parking. Et nous avons créé un city stade qui se trouve en face du gymnase, voilà, entre autres, et la liste n'est pas exhaustive. Pour les années à venir, malgré un contexte national et international compliqué, nos projets se concentreront essentiellement sur la rénovation énergétique et la restauration des bâtiments communaux, notamment la salle des fêtes et le bâtiment de la poste, sur la renaturation et la revitalisation de 3 quartiers que sont les Maletis, le lotissement des Abeilles et l'avenue de la Promenade. Et nous procéderons au lancement de l'étude du réaménagement de la traverse du bourg Est sur la RD 6089. Nous essaierons malgré tout, dans ce climat un peu tendu, de continuer à développer donc un climat de sérénité et de confiance. Pour terminer, je vous assure que toute l'équipe municipale est à votre disposition. Les élus sont là pour vous, accessibles et disponibles. Nous mettons tout en œuvre pour informer au mieux l'ensemble des habitants de nos actions menées et à venir. Et vous allez recevoir le prochain bulletin semestriel d'ici une semaine à peu près, donc dans vos boîtes à lettres. Notre site internet est mis à jour régulièrement et les informations urgentes sont données via l'application gratuite Ma Mairie en Poche que je vous conseille vivement de télécharger
puisque c'est gratuit et vous aurez toutes les informations, donc en passant par les coupures d'électricité, les problèmes de voirie, les coupures de différentes manifestations également. Voilà, donc c'est gratuit, n'hésitez pas, vous aurez tout en direct. Et le bulletin municipal, donc comme je viens de le dire, qui vous sera envoyé très prochainement dans vos boîtes aux lettres. Voilà, donc je vous remercie d'avoir choisi donc le Lardin Saint-Lazare pour y vivre le plus longtemps possible. Et je vous propose maintenant, après avoir cette présentée, donc mon équipe municipale va se présenter, et ensuite je vous demanderai de bien vouloir vous présenter brièvement en nous disant d'où vous venez, où vous résidez, voilà, et pourquoi avoir choisi le Lardin peut-être, voilà. En tout cas, merci, et ensuite on partagera le verre de l'amitié tous ensemble, et avant, on mettra à l'honneur l'équipe féminine de basket, parce que nous avons une trentaine d'associations donc, dans notre commune, tout ça vous sera retracé dans la revue qui vous sera donnée tout à l'heure. Nous avons une trentaine d'associations, dont deux clubs sportifs importants, qui sont donc l'USV, le club de rugby et le LBC, le club de basket. Voilà. Et nos filles donc ont gagné le championnat de Dordogne. Et donc tout à l'heure, on les mettra à l'honneur. Voilà. Donc je vais proposer à mon équipe municipale de venir et de se présenter. Et ensuite, eh bien, ça sera votre tour. Voilà. Merci en tout cas. Merci à toutes et à tous. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Nadine Piasson, je suis adjointe en charge de la crèche municipale et je m'occupe également des affaires sociales, notamment de la banque alimentaire. Bonjour, je suis Jenny Coulon, je suis adjointe au maire et je m'occupe de tout ce qui est affaires scolaires. Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine Ardillet et je suis conseillère et je fais partie de la commission de la voirie. Et bienvenue à tous. Bonjour, je m'appelle Géraldine Fouillade et je suis conseillère, je fais la commission des espaces verts. Et voilà, bienvenue au Lardin. Bonjour, Françoise Acoste, je suis conseillère déléguée aux affaires sociales. De plus, je suis présidente de l'Amicale Laïque, donc si vous voulez des renseignements sur les activités enfants-adultes, je suis à votre disposition. Bonjour, Sébastien Bléau, conseiller à la voirie et responsable de la banque alimentaire pour la commune. Bonjour, je suis Francis Dupuis, je suis retraité des papetes de Condat et je fais partie de la commission de la voirie, affaires sociales et services généraux. Bonjour, Marie Jamarc, je suis conseiller municipal, je m'occupe de la voirie et de l'espace vert. Bonjour, Thierry Patonnier, je suis conseiller délégué aux espaces verts et je suis aussi en même temps depuis quelques années président du club de rugby. L'Assemblée générale est bientôt, elle est prévue pour le 5 juillet. Messieurs, bonjour, tout d'abord bienvenue. Je m'appelle Jean-Louis Giroux, donc je suis conseiller. Je fais partie des commissions voirie, crèche, attribution des primes pour les assos. Et puis une autre que j'ai oubliée. Bon, une autre, voilà. Donc bienvenue encore et merci de venir au Lardin. Bonjour, Anne Mathieu, retraitée. Je fais partie de diverses commissions, les finances, les écoles, entre autres. Bienvenue à tous. Nous habitons depuis le 11 octobre la Galie, donc nous venons. On a habité un an et demi à Terrasson et on a voulu trouver une maison plein pied où nous habitons et nous sommes très 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 heureux au Lardin. Très bien, bravo, merci. Je viens du Pas-de-Calais et j'ai suivi mon belge jusqu'ici. Très bien, bon, très bien. J'habite à la Galibe. Voilà. J'habitais avant à Chavagnac et donc j'ai voulu venir ici pour des raisons de santé parce que j'étais fatiguée. Et je me plais bien ici, j'ai tout pour moi, j'ai une belle petite maison. Voilà. Très bien, merci. Retraité, donc j'habite à la Galibe au 6 avenue de Bardeville. J'ai oublié. Donc on a acheté cette petite maison
On avait une grosse maison à Chavagnac et madame arrive à 80 ans, donc fatiguée un peu. C'est bon. Voilà, on se plaît bien ici. On apprécie beaucoup. Tout va bien. Tout. Merci d'avoir fait cela. Merci beaucoup. Nous venons de la Creuse, nous sommes retraités. De la Creuse. De la Creuse. Ah, très bien. Nous avons glissé. Oui, c'est bien. Avant, on était en Normandie. Oh là, on a dit. Je suis là. Cherche le soleil. Voilà. Donc, nous avons glissé de Pérignac. Voilà, c'est pas très loin. Pour un nouveau projet immobilier. Voilà. Donc, nous habitons à l'autre bout de la route de la Boissière, limitrophe Bachèverie et Desfranches. Voilà. Et toujours en activité. Vous pourrez rencontrer madame, puisqu'elle est assistante dentaire au centre de santé. C'est pour ça que je dis. On la connaît un peu. Je viens de Lyon et j'ai tellement aimé la région que j'ai installé également mon entreprise. Parce que une entreprise que j'ai créée il y a 16 ans et je fais de la formation essentiellement. Voilà. Et j'ai été élue à Lyon, donc voilà. Merci beaucoup pour votre accueil. Hein. Je trouve ça vraiment super comme cérémonie. Et j'ai très envie de m'investir au sein de la commune. Alors, j'arrivais de la région de la Vienne et je suis originaire de la Bretagne, donc de Saint-Malo. Moi, je suis originaire de Nadaillac, pas très loin. Voilà. J'ai passé 23 ans à Toulouse, ça se voit un peu d'ailleurs, c'est resté. J'ai un fils qui joue à l'honneur, si vous voulez. Et j'habite donc avec Karine, route de la Tombeau. Et on est arrivé, ouais. Le 19 juillet. Et je viens de Limoges. Et je suis venue au Lardin parce que je travaille à Terrasson, je fais du hand à Montignac. Monsieur Navalon, et accessoirement je travaille au service technique de la commune. Voilà. Donc écoutez, on est ravis de vous remettre à l'honneur parce que vous y avez déjà été l'année dernière, mais c'était, vous me dites si je me trompe, mais c'était pour la Coupe de Dordogne. Voilà. Et là vous avez gagné donc le championnat donc de Dordogne et qui vous donne l'accession au championnat régional. C'est ça? Ah ouais, bon, parfait. Voilà, je ne me suis pas trompée. Voilà, donc je crois qu'on peut vous féliciter, mesdemoiselles et messieurs, l'entraîneur, le président. On a un superbe donc, club donc, de basket qui s'appelle le NBC. Voilà, et mesdames et messieurs, je crois que pour leur saison, on peut les applaudir et les féliciter. Il y en a assez? Alors, je crois que parmi les demoiselles, il y en a une. Attends, c'est celle-là, voilà, elle va s'avancer. Qui est donc celle qui a fait le meilleur score, je crois, qui a marqué le plus de points au niveau du championnat. Donc bravo, on est ravis de l'avoir parmi nous et félicitations. Parfait. Et là, il en reste une? Non, alors il y a les deux entraîneurs et le président. Alors, c'est Stéphanie? Allez, c'est pour Stéphanie. Voilà. Voilà, il y a une belle photo. Pour remercier la mairie et madame le maire pour leur soutien sans faille au club, un petit cadeau, voilà, que je vais dévoiler. Ça, c'était pas prévu. Tout ce que je reçois, en tout cas je suis ravie et vous savez que toute l'équipe municipale vous soutient et on a besoin de vous et c'est important pour nos petits villages et nos petites villes donc d'avoir des clubs phares comme ça pour les jeunes, pour les inciter effectivement à faire du sport. Donc merci en tout cas aux bénévoles, merci d'abord au président et aux bénévoles parce que des clubs de rugby, des clubs de basket, des clubs quels qu'ils soient et des associations quelles qu'elles soient, c'est beaucoup de bénévoles et beaucoup de travail, voilà, et d'abnégation de soi pour effectivement faire en sorte qu'il y ait de l'animation et que les enfants puissent trouver effectivement des choses à faire autres que les consoles et sur lesquelles on peut les voir. Et moi je suis ravie d'avoir en tout cas deux clubs de basket et de rugby aussi je dirais talentueux parce que voilà, tous les ans ben, on les récompense. Donc c'est bien. Bravo, continuez comme ça, la municipalité vous soutiendra. Merci à vous en tout cas.